Yo tout le monde, c'est Yaya, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis enfin de retour les abonnés après 2 semaines, 3 semaines, sans faire de vidéo. Bon, même si vous avez vu des vidéos sortir sur la chaîne, c'était des vidéos planifiées. Mais bon, là je suis de retour. Pour ceux qui le savent pas, j'étais en vacances pendant 2 semaines, 3 semaines. Franchement, ça m'a fait vraiment du bien, mais ça m'a manqué de faire des vidéos, des lives et surtout jouer à GTA en ligne. Waouh, ça fait bizarre de rejouer avec mon petit personnage. Ah, il m'a manqué ce personnage, hein, avec la petite danse. Attendez. Yes. Ça fait plaisir. Bon, on va voir ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines, on va dire ça, 3 semaines, on va dire ça, sur GTA en ligne. On m'a dit qu'il y a des nouveaux véhicules. Ça fait plaisir. C'est logique, chaque jeudi, il y a un nouveau véhicule. Et puis voilà, ça fait plaisir. Et aussi, on m'a dit qu'il y a un squelette qui apparaissait dans la map. Un endroit, genre, il y a un squelette. Si tu vas là-bas, tu vas avoir un détecteur de métaux pour aller à Cayo Perico pour gagner 15 000 dollars et tout. Bah, s'il apparaît, nickel. Et s'il apparaît pas, je le ferai dans une autre vidéo. Ok, déjà, j'ai pas de balles de munitions. Ok, ça, on est mal barré s'il y a un mec. Ah, mais dans tous les cas, je suis dans une session sur invite. C'est nickel. Ok, bon. Ce que je vais faire, je vais aller voir sur San Andreas les nouveaux véhicules. C'est ces deux-là, ouais, à ce qui paraît. Un véhicule à 4 places et un véhicule à 2 places. Ok, 1 320 000 dollars. Ça passe. Il a l'air vraiment pas mal. Il s'appelle Ruiner ZZ8. Ok, d'accord. Ok, un petit véhicule sympa. Ok, et il y a celui-là, c'est un 4x4 lui. Est-ce qu'il paraît, on m'a dit que lui, il est très très bien. Il est puissant que ce véhicule-là, ce qui paraît. Taille spéciale, 1 400 000. Achat direct, 1 060 000. Ah ouais, là, ils abusent là, ils abusent Rockstar. Moi, je sais que le dernier véhicule que j'avais acheté, c'était celui-là. Celui-là, ouais. À 2 millions. Ouais, celui-là, et en fait, il était pas ouf, en vrai de vrai. Hein. Il avait custom et tout, mais j'étais content. Mais après, au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il sert vraiment à rien du tout, ce véhicule-là. Hein. Bon, il est pas ouf. Hein. Bon, après, chacun son avis, bien sûr, sur ça. Hein. Il y en a qui pensent qu'il est bien, il y en a qui pensent qu'il est pas bien. Donc voilà. Si on m'a dit quoi qu'il y a de nouveau? Il y a quoi de nouveau? Il y a quoi de nouveau? Un spécial, je pense, en vrai. Hein. Un truc de squelette. Un truc de détecteur de métaux à Cayo Perico. Sinon, ah oui, des courses. Est-ce qu'il paraît, il y a eu les courses de Cayo Perico. Jeu activité, créé par Rockstar. Course casse-cou. Je sais pas si c'est dans course casse-cou. Bah non, c'est dans course normale, normalement. Je sais pas si c'est dans course normale ou course casse-cou. Ah, Cayo Perico en plus est doublé cette semaine. Ok. Ah ouais, maintenant, donc là, ça veut dire qu'on peut faire des courses à Cayo Perico. Mais ça a l'air vraiment pas mal, ça. Mais la vraie question, est-ce qu'on peut créer des courses à Cayo Perico? C'est ça. Ce serait vraiment incroyable. Alors, je pense pas que là qu'on peut créer des courses, mais plus tard, peut-être, je sais pas, peut-être dans l'avenir, hein. Peut-être dans le prochain DLC. Mais franchement, c'est sympa. Peut-être on fera une course après, mais d'abord, je vais custom le 4x4. Je vais le commander, je vais l'acheter déjà, et on se trouve directement dès qu'il est livré. Ok, les gars, c'est bon. Le véhicule a été livré juste à côté de moi, ça fait plaisir. Wesh! Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle a l'air pas mal, le véhicule, hein. Franchement, je vois bien ce véhicule-là monter au Mont Chiliad facilement. Franchement, ça se voit que c'est un bon véhicule. Allez, on va tester. On va faire une petite balade avec. Avant de le custom. Ok, ça va, ça passe pour l'instant. Tient bien la route, ouais, ça va, il dérape pas trop. Il a l'air pas mal, hein. Il a l'air puissant ce véhicule-là. C'est un tout-terrain, ok, d'accord. Oh, le custom, c'est pas, oh, mais il est magnifique en vrai ce véhicule-là. Oh, les déchets, je l'ai même pas encore custom, je le trouve déjà magnifique. Wow, là ça se voit comme ça, quand tu le vois comme ça, tu dis, tu vois, ce véhicule-là. Il annonce du lourd. Ok. Blindage. On s'en va vite. Tac. Pare-choc. Il y a quoi d'intéressant dans le pare-choc? Ok. D'accord. Basique. On connaît tout ça. Hein. C'est dans la plupart des véhicules tout-terrain. Ok. C'est dommage. C'est dommage que Roxy ne rajoute pas d'autres nouveautés. Tu vois, c'est toujours la même chose, les pare-chocs. C'est dommage. Je vois pas la différence entre ces deux-là. On va prendre celui-là. L'arrière. En vrai, je trouve que c'est mieux comme ça. Même si c'est pas le plus cher. Okay. Ah, les portes, c'est intéressant ça. Ah, il est pas mal celui-là, j'aime bien. Ouais, lui il est pas mal. Allez, on prend celui-là. Moteur niveau 4, ça c'est logique. Pot d'échappement. Ah oui, d'accord. Ah, il est pas mal comme ça, je trouve. Hein. Ah, c'est original, je trouve. Même comme ça, je trouve c'est stylé. Ouais, comme ça, je trouve. Ouais, c'est bien. Parce que comme ça, en vrai, c'est. Ouais, c'est bien, mais je trouve lui, il est mieux. Non, ça, non.
Ça, c'est quoi? La calandre. Ok, c'est le bas, ça. Pas mal celui-là. On prend le plus cher. Klaxon, on s'en fiche. Les phares. Comme c'est un 4x4, je vois pas avec. Je vois pas des néons sur ce véhicule-là. Je vois vraiment pas des néons sur ce véhicule-là, donc je le prends pas. J'essaie de faire un véhicule réaliste aussi. Hein. Vraiment, moi j'aime bien faire des véhicules qui ressemblent à la vraie vie, IRL, tout simplement. Ok, là c'est les motifs, c'est intéressant ça. Pas mal celui-là, oh, j'aime bien. Oh, lui il est beau. Oh, la couleur elle est magnifique en haut. Ouais. Ah, stylé ce motif. Ah, ils sont stylés ces motifs, hein, je trouve. Hein. Même lui. Allez, je prends celui-là, il est trop stylé. Peinture. Ah, peinture, là, franchement, je la vois bien en vert cette voiture. Hein. Vert. Vert. Ouais. Un truc comme ça. Franchement, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez sincèrement dans les commentaires. Un vert foncé, tu vois. Et encore, on met du vert. Hein. Pour que ça soit bien. Attendez, le vert, il est où? Il y a tellement de couleurs là, c'est abusé. Moi, je suis où le vert? Bleu, non. Vert, ok. Mais moi, je veux du vert. Foncé comme ça soit sorti. Voilà, c'est nickel les gars. Hein. Franchement, je kiffe. Siège, on peut même changer les sièges. Non, ça va pas. Je pense que celui-là, c'est vraiment nickel. Ah mais franchement, je suis trop content de ce véhicule-là. Il est magnifique. On voit pas trop de changements, mais vas-y, on prend le plus cher. Hein. On va prendre celui-là. Aileron. What the fuck? Ah, ça va, c'est pas. Ok. Ah, mais j'adore la customisation de ce véhicule-là. Suspension, on laisse comme ça. Transmission. Coffre. Ah, oui, d'accord, là, il y a un pneu. Là, il y a deux pneus comme ça, ok. Là, il n'y a rien. Il y a nada. Il y a un pneu comme ça, ok. What the fuck? Franchement. Attendez. On peut pas reculer un peu plus la caméra là, on voit pas bien. En fait, j'hésite entre ça et ça. Comme ça, c'est stylé aussi. Hein. Allez, on prend celui-là. Turbo au max. Tout terrain, on prend. Les roues tout terrain. Oh, celui-là, j'aime bien ses jantes. Couleur, on met du vert, hein, logique. Hein. Vert foncé. Ne. Tac, au max, comme ça personne ne nous crève les pneus. On met du vert aussi pour que ça soit vraiment assorti, les gars. Ok. Et eh ben écoute, les gars, franchement, je suis content de ce véhicule-là. Franchement, Rockstar, là, ils ont super bien géré en termes de customisation. Je le trouve vraiment incroyable. Alors, on va le tester. Hein. On va faire la petite miniature. Okay, on prend la miniature. Ok, nickel. Franchement, pas mal. Ouais, il va vite, sa mère. Oh, il y a un point bleu. Peut-être c'est le squelette, les gars. Attendez. Non, putain, fais chier. À chaque fois, maintenant, je vois un point bleu. Je mets directement star. Je vois si c'est un du squelette. Ok. Franchement, pas mal. Il va vite. Il tourne très, très bien, même. Même assez bien, même. Attendez, on va tourner comme ça, là. Wow. Il tourne super bien. Mais c'est incroyable. Il est magnifique. Franchement, je vous le conseille hein, pour ceux qui ne l'ont pas acheté, même si je pense que la plupart l'ont acheté. Par exemple, si on va là. Youpi! On va aller sur l'eau, on va voir comment ça va. Et écoute, il tient la route. Hein. On va voir comment il monte là. Merde, comme par hasard, j'ai pas vu le palmier. Bah, par exemple, là. Il y a une montagne par ici. Ouais, il y a une montagne. Ouais. On va aller voir comment ça monte. Parce que c'est un 4x4, les gars. Hein. C'est un tout-terrain, donc. Bah, il est tout-terrain. Hein. Il doit aller n'importe où normalement. Donc on va voir ça tout de suite. Ok. Hello. On va passer par là par exemple. Ah mais ça va être un véhicule pour faire des parcours en vrai. Hein. What the fuck? Oh, j'aime trop ces véhicules là comme ça là. Qui montent bien et tout. Franchement ça fait plaisir. Ah là franchement Rockstar vous régalez. Nous on veut des véhicules comme ça. Ce serait bien si ce serait un véhicule armé genre. Avec une petite mitraillette ou un truc comme ça. Ce serait vraiment incroyable. Genre, ils vont sur le site Warstock. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de véhicule sur Warzone. Ça fait depuis longtemps en vrai, depuis je crois depuis Caillou Perico. Hein. What the fuck, ouais, depuis Caillou Perico, on n'a pas vu de véhicule sur Warstock. Hein. On veut des véhicules sur Warstock, bordel. Mais franchement, ce véhicule-là, il est incroyable.
Youpi! Allez! Mais c'est incroyable. Les gars, je vous le conseille vraiment. Donc voilà, c'est tout ça pour cette petite vidéo-là. Concernant le prochain véhicule là, celui qui se vend sur San Andreas, celui-là, je sais pas comment ça s'appelle. Là, la Ruiner ZZ8. Je ferai une autre vidéo, hein. Je vais pas faire non plus les deux customisations dans une seule vidéo, hein. Sinon la vidéo dure 40 minutes, c'est pas le but. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Pour vous dire aussi que je suis de retour sur YouTube. Là, ça va recharbonner les vidéos, les gars. Une vidéo tous les jours, hein, vous le savez très bien. Donc voilà, et les lives, il y aura des lives tous les 4-5 jours à peu près, hein. Donc voilà, activez la cloche des notifications, n'oubliez pas, c'est très important. Comme ça, dès que je sors une vidéo, bah, vous la recevez directement. Donc voilà, allez, salut! Opa!